Salut les filles, bienvenue sur la chaîne Marie-Jeanne Amie BT. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo 2 en 1. Et j'ai une petite annonce à vous faire, un peu décevante. Donc, pour ceux qui nous suivent, je vais partir pendant une semaine Miami. Donc, vous n'aurez pas de vidéo à partir du 27 au 2 janvier. Aucune vidéo. Puisqu'on s'en va de notre bar et on n'a aucun accès aux caméras et à YouTube. Donc, on est désolé. Pour ce faire, donc ça c'était mon annonce. Ma vidéo de 1 en 1, je vous présente ma wishlist, donc ce que je voulais pour Noël. Et mes cadeaux de Noël que j'ai reçus. Donc, si c'est des vidéos qui vous intéressent, ben, on vous invite à liker la vidéo, à mettre un thumbs up, un pouce en l'air, comme vous voulez. Puis, à vous abonner si des vidéos, c'est pas juste des vidéos comme ça que je fais. Je fais aussi des vidéos de beauté, des hauls et tout et tout. Donc, je vous invite à aller voir notre vidéo de présentation à Miami pour savoir un peu ce qu'on fait et vous abonner. Donc, ça va apparaître ici. Donc, si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. Donc, c'est parti. Je vais aller chercher mes notes. Donc, premièrement, j'ai demandé une chaîne en argent ou en or avec la lettre M pour représenter mon nom qui est ma chaîne. Désolée. Par la suite, j'ai demandé le film Jurassic World en DVD, puisque je n'ai pas de Blu-ray. J'ai demandé les livres La vie compliquée de Léa Lévy, puisque j'adore lire. De l'argent, une machine à bonbons M&M verte. J'adore manger du chocolat et des bonbons. Une tasse de voyage, des cartes cadeaux. Quand je dis tasse de voyage, je ne sais pas si vous savez, mais vous voyez des tasses. C'est comme des thermos et on met du café, du chocolat chaud, des smoothies, tout ça. Donc, carte cadeau, un peigne noir, donc une robe de chambre, et pinceau maquillage, tout ce qui comporte beauté, quoi. Donc ça, c'est ma wishlist. Sinon, j'aimerais vous dire, là, je vais vous présenter mes cadeaux de Noël que j'ai reçus. C'est pas pour faire prétentieuse, c'est pas pour me... Je me porte pas mieux que personne, au contraire. Je m'aime comme je suis. C'est juste pour vous donner des idées. Moi, j'adore regarder des vidéos comme ça, puis ça me donne des idées de cadeaux que je pourrais offrir ou des trucs que je pourrais m'acheter, quoi. Donc, c'est parti, je vais vous montrer. Donc, je vais commencer avec mon bas de Noël. Et là, il manque un petit quelque chose parce que je l'ai déjà mangé. Donc, quand j'ai ouvert mon bas de Noël, j'ai trouvé des Ferrero Rocher. Qui vient, vous voyez, en paquet de 3. J'ai testé et j'ai adoré. Il y en a plus. Donc, pour ça, désolé. Par la suite, j'ai trouvé ceci. Donc, des Lindt. Moi, c'est au chocolat au lait. Donc, c'est les originales. Qui se présentent par 3 aussi. Désolé, j'ai mal à la gorge. Et j'en ai mangé un. Donc, il m'en reste 2. Donc, ils se présentent comme ceci. Et ça aussi, le test était miam miam. Par la suite, j'ai trouvé ceci, qui est un masque de chez Fruits et Passion à l'haricot mango. À l'haricot. Et moi, j'aime leur masque parce qu'ils coûtent pas cher et en fait, ils se collent comme une feuille de papier. Donc, c'est pas comme des crêpes. Donc, ça, c'est à garder 10-15 minutes. Donc, si vous voulez, je ferai une revue. Moi, j'avais testé pomme grenade et j'avais adoré. J'en ai trouvé un autre, mais aux algues. Là, ça c'est enrichi d'extrait d'algues reconnu pour ses propriétés purifiantes. Et aux haricots, c'est enrichi d'extrait de haricots mango reconnu pour ses propriétés nettoyantes et purifiantes. Donc, ça fait pas le même travail, mais ça reste que je vais tester et que je vais adorer. Il y a des très bonnes choses que j'adore. Hein. Par la suite, en dernier, j'ai trouvé ceci. Donc, quand je l'ai ouvert, j'ai fait comme ça. Oh my god! en fait, c'est des certificats cadeaux pour aller dans n'importe quel Guzzo. Puisque j'adore aller au cinéma avec mes amis ces temps-ci. Donc, j'ai 10$ pour aller au Guzzo. Donc, le billet d'entrée incluant bouffe, oui. Donc, ça, c'est adorable. C'est juste super à recevoir. Donc, là, on part pour les vrais cadeaux de Noël. Bon, en premier temps, j'ai reçu cette chaîne. Avec un M. De la part de mon grand-père. Donc, en argent. Par la suite,
de ma marraine, j'ai reçu... Attendez. Ceci. Donc, 3 livres de la vie compliquée de Léa Olivier. Donc, j'adore ces livres. Donc, j'ai le premier, Perdu. Le deuxième, Rumeur. Et le troisième, Chantage. Par la suite, mais mon repère, lui, m'a offert le sixième, donc, que je n'ai jamais lu. Tornade, parce que le 1, 2, 3, je l'avais lu l'année passée. Puis, avant d'aller, j'avais lu le 4 et 5, donc j'avais dit, je veux le sixième. Et la collection, et c'est vrai que là, je vais pouvoir faire la collection complète. Donc, j'ai très hâte de le lire. Dites-nous en commentaire si il est bon, si intéressant. Par la suite, le 23 décembre, on a fait un party de Noël en amis. Donc, il n'y avait pas de famille. Et une amie de ma mère m'a offert ceci. Donc, c'est des petits chocolats comme ça. Comme ça. Petits bonbons. Hein. Ça, comme ça. Et des petits caramels que ça, je n'ai pas aimé. Par contre, c'est la seule chose que je n'aime pas vraiment. Mais sinon, c'était une très belle pensée de penser à nous. Par la suite, de la part de ma mère, j'ai reçu ceci. Hein? Ouais. Peut-être, non, c'est pas vrai. J'ai reçu des pinceaux de maquillage. ELF. Hein? Et ceux qui disent que c'est une mauvaise marque. Moi, j'adore la marque. Sérieusement, je suis peut-être débutante, mais j'aime beaucoup me maquiller là. Les produits sont pas chers. Puis ils valent pas la peine. Donc, bientôt, je vais essayer de faire une petite commande là. Je vais me fixer un budget, puis je vais faire une petite commande. Donc, en fait, j'ai un pinceau comme ça, un pinceau comme ça, et trois comme ça. Les trois derniers. Donc, c'est 6 pinceaux ELF. Et ça venait aussi avec le petit nettoyant à pinceau qui sent le concombre. Donc, j'adore l'odeur. Merci, maman. Par la suite, j'ai reçu encore de la part de ma mère un peignoir ou une robe de chambre, comme vous voulez. En fait, qui est noir, là, j'essaie de trouver l'autre. Ah, comme ça. Qui est noir, et dessus il est écrit love et des cœurs. Donc, et les petites bandes de lettres sont roses. Et les bouts de manches, là j'essaie de trouver l'autre manche, ici. Les bouts sont roses, de même. Donc. Et elle est super douce, super confortable, super chaude, superbe quoi. Par la suite, là je vais finir avec ma mère. Ma maman m'a aussi offert ceci. Donc, je trouve d'ailleurs le packaging super chou. Et moi, j'ai de la misère à faire mes ongles. Hein? J'ai de la misère à faire mes ongles. Donc, j'avais besoin d'un petit kit qui m'aidait un peu à faire mes ongles. Et maman m'a offert ça. Et j'étais hyper contente. Donc, avec la petite boucle. Donc, ça vient avec un petit manuel d'instruction. À quoi sert à quoi. Ça, c'est hyper pratique. Quand que tu vous mettez, ben, au lieu de dépasser, si vous dépassez, ben, vous ne dépassez pas sur le matériel. Vous dépassez là-dessus. Donc, vos mains, il y a des petites idées comment faire. Je sais comment faire mes ongles, mais ça reste que c'est pratique, quoi. C'est toujours pratique. Il y a des petites éponges remover. Vous voyez, ils disent un tampon en ongles. Moi, je suis pas prête à dire tampon. Petite éponge. D'habitude, 2 suffit pour une main. Mais la seule affaire, c'est gras. Donc moi, je me lave les mains après m'avoir enlevé le vernis. Et ceux-là sont au raisin, donc ils sont bonnes. Par la suite, il y a des petits autocollants, vous voyez. Genre, je m'en vais là et je fais des autocollants. Des petits bijoux à mettre en décoration. Ah voilà, ça a été détenu comme ça, hein? Par la suite, en dernière décoration, bon, on a des brillants. Et on a les 6 couleurs. Ben, les autres disent en fait que c'est les 6 couleurs essentielles de vernis. Donc, c'est vraiment ce qui est écrit. Donc,
En fait, c'est vraiment comme des petits stylos, donc c'est vraiment intéressant. En fait, c'est le vernis. Et à date, c'est bien. Finalement, c'est quand même bien. Et le petit crayon qu'on pèse ici. Et la couleur sort. Donc, un rose strawberry. Donc là, je sais pas si ça va focusser. Un blanc qui devient une espèce d'argent. Coconut. Un rouge, pas de nom. Un noir qui dit chocolate. Là, j'essaie de le mettre dans le bon sens. Un bleu vert, melon. Et un argent vanille. Ça, c'est pour le petit kit pour mes ongles. Je vais essayer de faire des petites références parce que vous pouvez en trouver, mais ça, je sais pas, je vais peut-être demander à ma mère. Mais je n'ai pas le prix par contre. La robe de chambre, elle vient de chez Sears. Les pinceaux, j'imagine, de chez Walmart. Parce que, ça, j'en avais vu là. Il y a le petit kit chez Walmart. Les livres, librairie, Walmart, etc. Quoi? Vous savez pas? Bon, je continue. Passe niveau make-up. J'ai reçu une palette ELA. Donc, de mon beau-père. Et j'ai testé une couleur un matin et j'en revenais pas de la pigmentation des couleurs. J'en revenais pas, quoi. Donc, elle se présente comme ceci, avec un petit miroir. Et quand on lève la palette, on a 4 blushs. À moins que ça soit 5 de chaque, mais moi, je veux plutôt utiliser lui comme bronzer. Hein. Donc, on va dire 4 blushs, 6 bronzers. Très pratique. Merci Sébastien. Ah, ça a renversé. Bon, t'avais de la merde à se former et ça l'a renversé. Ça, c'est pas grave. Tout est là. On va battre tout là. Ok. Donc, ma soeur de 9 ans m'a offert une boîte The Color Institute, en tout cas, qui comprend des ombres à paupières, un crayon à yeux, un mascara, un brillant lèvres, un fard à joues et un vernis à ongles. Donc là-dedans, on a des conseils beauté à l'intérieur. Il dit dans l'intérieur, conseils beauté. Donc, en premier lieu, je pige dans la box. Ça, je vous ferai peut-être un petit, une petite revue de la box. Donc, un crayon. Et là, je vous montre, je fais une ligne et la pigmentation de fou. C'est une pigmentation de fou. Je vous jure, j'ai très hâte de tester. Mais à date, là, j'ai envie de tester. Le vernis à ongles qui est d'une couleur rose. Je vais tester parce que j'ai jamais testé leur vernis, en fait. Hein. Mais un très beau rose quand même. Ensuite, mes ombres à paupières. En fait, il y en a 8 parce que c'est 4 mais en 2. Donc, ici, on a un rouge mat et un rose irisé. Rose nude mat, un brun irisé. Un beige mat et un vert irisé. Et pour finir, un bleu mat et un bleu irisé. Par la suite, le mascara, ça donne des cils de ouf, mais il pue. Il pue. La brosse est en synthétique. Et voici la courbe. Et moi, j'adore ce mascara. Il est génial. Donc, je l'ai testé ce matin. Par la suite, on a un blush. Donc, qui comporte un rose pâle mat. Et par la suite, ça se fonce dans les roses mauves irisés. Ils sentent un peu les fraises, que je pourrais dire, les fraises ou les framboises, quelque chose comme ça. Mais je suis pas sûre. Mais il me semble qu'ils sentent un petit, un peu sûr. Et pour finir, un petit brillant lèvres. Ça, c'est vraiment bizarre, hein, je vous jure. Ça donne des brillants sur les lèvres. C'est juste mongol. Donc, je vais faire une swatch.
ce que vous allez voir, c'est ce qui apparaît sur mes lèvres. Donc, c'est assez spécial, mais c'est collant. Très collant. Donc, mais il est bien. Il est très, très, très bien. Ben, pour finir, on a ça que j'ai testé ce matin et que je n'ai pas aimé. Et ça, je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais je vais trouver. Donc, pour les conseils, il donne 5 étapes à suivre pour des yeux charbonneux pastel. Et pour les conseils, conseils beauté pour un regard en douceur, un regard frappant pour le visage et pour les lèvres. Donc, je fais une petite revue de ça en revenant de chez mon papa. Par la suite, j'ai reçu de une de mes tantes le film Jurassic World, que j'ai déjà écouté et que j'adore encore. Et au party de Noël 2023, j'ai reçu ça d'une amie de ma mère. Donc, il y a une petite bouteille Coke et quand on l'ouvre, donc ça, ça n'a pas rapport par contre. C'est 4 petits baumes à lèvres, pas vraiment teintés, là, qui hydratent Coke. Donc, on a... Et dans la boîte, en passant, ça sent le Coke. Donc, on a Black Cherry Vanilla. Donc, cerise noire et vanille. Ça sent tellement bon. Mais je pourrais pas vous décrire l'odeur. J'essaie de vous montrer un peu plus. Par la suite, on a... cherry, donc cerise, c'est lui qui est le plus teinté. Donc à la cerise, là, il fait un petit rouge teinté. Mais c'est lui le plus teinté, hein. Donc les autres sont pas mal mat. Nude. Il m'en manque un. Je perds mes trucs. Ah oh, non, il est dans ma main. Par la suite, on a un vanilla. Donc lui, c'est vraiment un nude. Il sent hyper sucré. Et le dernier, mon préféré, il sent le coke. Donc si vous aimez le coke, vous allez aimer celui-là. Parce qu'il sent le coke. Je sais pas s'il goûte le coke, mais il sent le coke. Et en arrière de la bouteille, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un petit miroir. Donc c'est tout pour les cadeaux de Noël et ma wishlist. Par la suite, pour le concours... juste nous écrire en commentaire si vous voulez participer. Nous, on va voir si on le fait ou pas. On n'est pas sûr encore trop. On vous laisse un peu de temps. On va aller en vacances. Puis on va vous en revenir là-dessus, quoi. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Bye!